Si tout se passe bien, il y a d'abord une machine qui fabrique des couvertures. Ensuite, il y a une ligne qui imprime 96 pages à la fois, c'est-à-dire le corps de l'ouvrage. Et après, derrière, on a 5 lignes d'eau carré-collée. C'est des machines qui brochent, qui reçoivent ces cahiers qui ont été imprimés sur ces 4 différentes rotatives. On va y poser de la colle et on va positionner la couverture en ligne avec une cadence d'environ 5 à 6 000 exemplaires à l'heure. Et tout ça s'est fait quand même dans des temps records parce que nous disposons, bon an mal an, de moins de 20 heures pour réaliser cet ensemble-là, industriellement parlant. C'est donc un challenge permanent, hebdomadaire. Et ça se renouvelle 51 fois par an, pardon. Ce qui est formidable quand même.